m'appelle Morgane, j'ai 30 ans, je suis passionnée depuis toute petite des mariages et j'ai toujours été la gentille organisatrice depuis toujours des anniversaires, des événements familiaux, etc. Le petit côté conte de fées et un peu féerique est vraiment ce qui me plaît dans les journées de mariage. Coucou, ça va? Ouais, et toi? Ça va, t'as pas trop froid? Ça va. Alors, tu m'as ramené le beau jupon? Ouais. Menu enfant à confirmer. Eh ben, il n'y en aura pas. Parce que c'est que des bébés. Enfin, c'est que des petits. Voilà, t'as que des bébés et les. Le fait de travailler dans le milieu du mariage, ça a renforcé ma vision du couple. Je vois des mariés dans un moment fort de leur vie, qui mettent beaucoup de cœur et voilà, je me retrouve un peu aussi dans ce que j'ai vécu. Mon mari m'a demandé en mariage en septembre 2020. Le jour J, ça a été magique mais intense. On nous avait dit profite parce que ça passe super vite. Bah, ça a été le cas. Du coup, maintenant, j'ai un peu du mal à comprendre ceux qui veulent pas se marier. Je me dis, mais pourquoi tu veux rater ça? C'est trop bien. Très heureuse de partager ces moments forts avec mes mariés. Et bien souvent, si elles me choisissent, on a quelques mois de préparatifs ensemble où on instaure vraiment une relation de confiance, de proximité, etc. Donc pour moi, c'est aussi des moments privilégiés. Ouais, cool, trop cool. Là, c'est plus sympa que figé, genre comme ça, grave, grave. Moi, je le publie pas, hein, mais je l'enregistre. Ce qui est difficile, je trouve, quand on se lance en tant que wedding planner, c'est plus l'organisation personnelle, puisque les mariages souvent sont les week-ends, les samedis, les rendez-vous avec les clients peuvent être en soirée ou voilà. Ouais. Oui. Trop bien. Quand on est et épouse et jeune maman et entrepreneuse, voilà, il faut arriver à trouver un équilibre un petit peu dans tout ça. De l'aide quand on cherche son chemin. À la carte, Ilana. Tourne la page pour découvrir. Dès le premier regard et le premier sourire, j'ai su que ce serait une aventure formidable. Oui, c'était là. Tu es encore trop petite pour lire ces mots, mais je sais qu'ils font déjà écho en toi. Oh. Eh, ça c'était un mariage. Tu es née d'un amour sincère et profond, et c'est pour cela que j'ai échangé ma casquette de manager contre une baguette de marraine la bonne fée. Après t'avoir embrassée chaque matin, je pars écrire le début d'une nouvelle page, d'une nouvelle histoire, pour des hommes et des femmes qui, comme papa et moi, ont enfin trouvé celui ou celle avec qui affronter les obstacles de la vie, avec qui marcher main dans la main et avec qui rêver au quotidien. Peut-être que c'est encore un peu flou pour toi, mais tu te rappelles sûrement du mariage de papa et maman. Ce décor de château rythmé par la musique, faire que cette journée unique soit le symbole d'un bonheur profond. Ma petite fée, je te souhaite à toi aussi d'un jour vivre le grand amour. Ta maman. Toi, t'aimes bien les mariages? Oui, je suis en fait parce que je mets une robe. Ah, tu mets une robe de mariée, toi? Oui, je mets une robe de mariée et je mets du maquillage. Waouh! Et après, t'es une jolie princesse? Oui. C'est pour ça que t'aimes bien le mariage? Oui.